fasse presque. Voilà, c'est... Très humblement, l'ancien premier ministre, l'ancien Koumara, pour son témoignage. Mesdames et messieurs, chers frères, autorités confondues, mesdames, les enfants, les frères de tout, si je prends la parole, ce n'est pas pour le plaisir, mais parce que l'occasion est bonne pour faire 4 témoignages. Le premier, au titre de citoyen général. Le deuxième, au titre de collaborateur. Le troisième, au titre d'intellectuel. Le quatrième, au titre de guinéen. Au titre de citoyen guinéen, je voudrais ici reconnaître la valeur, la force d'armée guinéenne et le rôle que le général Toto a joué en 2001 pour boutir hors d'un pays, les gens qui nous ont agressés à la frontière, c'était le Kékédé. Son rôle a été capital. Je voudrais ici le souligner et remercier toute l'armée guinéenne. Le deuxième témoignage, c'est en tant que collaborateur. J'étais Premier ministre dans ce gouvernement où il était le plus âgé avec les jeunes officiers. Je peux vous dire sur la foi de l'honneur que si nous avons traversé cette pirogue sans trop le clash, c'est parce que Toto a su se maîtriser. Il a su se maîtriser. Il a su se mettre au-dessus des incompréhensions de ses jeunes frères. Il a su comprendre que la nation devait être au-dessus de tout. Il faut le reconnaître. Sans son acceptation d'un certain nombre de situations difficiles que d'autres n'auraient jamais supportées, il aurait eu beaucoup de difficultés et même des attaques. Je vous ai laissé de témoigner et de remercier au nom du gouvernement que j'ai dirigé, mais surtout au nom du peuple guinéen, que nous avons pu conduire dans cette période difficile et indéterminable. À titre d'intellectuel, je fais ici le témoignage que Toto est quelqu'un qui aimait absolument s'enrichir intellectuellement. Il recherchait tout ce qu'il était à lire. Il était quelqu'un qui était curieux. Il a entrepris d'écrire un livre. Il est passé me voir dans les 10 premiers mois, au moins 6, les 10 derniers mois de sa vie, au moins 6 fois. On me disait qu'il avait presque fini de lire, d'écrire son livre, témoignage. Et j'ai demandé à sa famille de récupérer les manuscrits pour que ce soit publié. Parce qu'il était. Enfin, je témoigne en tant que musulman. Le prophète disait, et ça lui souvient, qu'il y a un certain nombre de noms de martyrs que Dieu agrée. Celui qui meurt de noyade, celui qui meurt par la peste. La peste, notre temps, c'est le corona. C'est cette maladie qui a emporté notre peuple. Nous sommes fondés de dire que grâce à ceci et grâce à nos témoignages que vous faites, Dieu acceptera notre frère au paradis. Pourquoi? Durant les réalisations de sa mort, le frère de Dieu qui était là, il l'a appelé. Il lui dit, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je voulais que régulièrement venir réciter le Coran dans mes oreilles. Réciter certains versets dans mes oreilles si je ne peux plus les prononcer. C'est important que vous le sachiez. Autrement dit, c'est quelqu'un qui, après avoir passé toute cette vie, s'est dit, je veux retourner à mon créateur. En ce moment difficile, et deux autres peuvent le témoigner, sa femme peut le témoigner. Régulièrement, on venait de réciter le Coran pendant qu'on ne peut plus parler. Je prie Dieu qu'il a donné cette inspiration, qu'il l'accueille dans son paradis. Je remercie le peuple guinéen à travers cet amalgame, cet aéropage de gens libres, d'officiers, de militaires, de simples soldats, qui ont donné la preuve de l'unité de notre pays, que nous sommes tous unis dans le bonheur, mais pas dans le malheur. Je remercie tous ceux qui ont contribué, y compris les chefs de l'État. Merci beaucoup.